Ah! Donna? Ah, Fabien, c'est ça? Fab, c'est moi, Minou. Oh, le chapeau qu'il a! Je suis Donatien de Montazac. Oh, et voici mon associé, Fabien Torres. Regarde notre exploitation sur la gauche. C'est chez nous. Vous me rappelez mon grand-père? Ah ouais? Il était collabo. Que se passe-t-il? Ah bah, on va devoir vous mettre en prison. On arrive tout de suite. Pardon, comment? C'est un honnête homme comme moi. Il se retrouve dans cette cellule. Tu vois qui dit? Ouais. Cette ville-là. On va la prendre et on va la retourner. J'en ai deux, des petits-fils adoptifs aussi. Ah oui, comment ils s'appellent? Ils s'appellent Antoine et Daniel. Je commence à m'inquiéter pour Antoine Croûte. Qu'est-ce que je trouve juste à côté du camion? Je ne sais pas. Antoine. Quoi? Antoine, inanimé. Tu tiens ta vie, tu tiens tes camions? Bien évidemment que j'y tiens! Ferme ta gueule. Antoine, mais comment... Déjà, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas possible, Fabien! On va pas vendre des bouteilles à 85 balles! Oh! 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 Dans le bateau! Dans le bateau! Le docteur Cox se court toujours, hein. Je pense qu'avec Gérard Pichon, c'est la personne que j'aime le moins dans cette ville. Madame, faites pas une... Non, mais docteur, madame! Je suis désolé, messieurs, mais je peux plus collaborer avec vous. C'est pas vrai! Oh non! Dans tous les cas, je te rattraperai, Donna, sache-le. Je m'en doute pas. Putain de cauchemar. Oh non! Aussi! Fab? Fabien? Fabien? Fabien Torres? Donna? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu t'es masturbé dans mon vomi? Fabien, il faut que je te dise un truc. Dis-moi. Je t'aime.